Quelles sont vos attentes par rapport à ce que vous allez voir ce soir? Ce que j'attends essentiellement du film, c'est qu'il, et je l'espère qu'il réussira, à démontrer à l'opinion publique, aux Français, au nom de qui la justice est rendue, dans quelles conditions une personne est poursuivie, un homme politique d'importance, sur les accusations notamment du président de la République en exercice. Cela est surprenant. Et c'est un cas inédit en France que de voir un ancien Premier ministre jugé sur la plainte d'un président de la République. Oui, c'est toujours très, très surprenant de se découvrir au travers d'un film aussi réaliste, où j'ai ressenti ce que j'avais vécu à l'époque. Et c'est cela que j'ai trouvé le plus extraordinaire. En plus, je pense que c'est une très pédagogique pour des personnes qui connaissent mal le fonctionnement de la justice, de voir comment ça se passe et de voir la difficulté de juger qui ment, qui ne ment pas. C'est un débat extrêmement délicat et la charge de juger est très lourde.